4. Il y a Anthony Aspo qui est là. On retrouve Dan Oliver. Également dans le grand de tête, Julien Duval. On va perdre la jonction avec Arwen Corbel. Et derrière, c'est beaucoup plus difficile. Donc pour les coureurs comme Emmanuel Kéo, un petit peu distancé. On a du mal également avec Justin Jules. 11 secondes de retard pour les deux avant-contre. 11 secondes derrière le peloton. On voit les maillots blancs quelque peu grisants. Grisé par la météo aujourd'hui du Team Up of Marseille et ils accusent un retard de 31 secondes. 31 secondes de retard pour le Team Up of Marseille. Ah, voilà une situation de course extrêmement intéressante. On a 31 secondes de retard pour le Team Up of Marseille avec les 20 derniers kilomètres de retour.